Compatriotes haïtiens frères et sœurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Après une année, Conseil de sécurité des Nations Unies a fait voter résolution 2699 pour demander à divers pays pour faire partie de une mission multinationale pour voir policiers militaires étrangers dans la coupe pays d'Haïti. Eh bien, finalement, premier troupe kenyan yo atterri bonheur matin dans la coupe pays d'Haïti sous tête papa nation Jean-Jacques Dessalines. Vini force kenyan yo compatriotes haïtiens frères sœurs, yo vini là non contexte qui est extrêmement difficile. Côté déjà il y a pile réaction qui a tombé par bon côté classe politique là, par bon côté société civile là et par bon côté un paquet alliés partisans et sympathisants. Ancien sénateur Guy Philippe lui-même qui était campé, qui était déclaré que l'équipe Liavel prend toute disposition yo connaît pour empêcher Kenya, pour empêcher policiers militaires étrangers fouler sol pays d'Haïti. Et je nous prends le constater là. Dans la vidéo, ça, compatriotes haïtiens, frères et eh bien, premier contingent, gagne un total de 400 policiers kenyans qui ont même. Yo pral atterri là, yo pral débarquer dans avion si là. Vini et gagné cérémonie qui fait, gagné drapeau et qui présentait tout ça ou pral gagné et en détail voilà. Et c'est moment côté que autorité kenyane yo même yo a débarqué là, yo a atterri. OK? Et tout de suite après nous pral gagner et policiers kenyan yo faut nous dire tout compatriotes haïtiens frères chum dans premier contingent ça gagner divers et gagner divers escadrons là-dedans li gagner policiers sniper là-dedans li gagner policiers qui spécialisé dans combat corps à corps gagner policiers qui spécialisé dans combat guérilla donc ou pral gagner tout détail yo et là nous gagner inspecteur et inspecteur qui lui-même est responsable troupe kenyano qui responsable mission qui lui-même yon jour avant qui était déjà sous place et bien compatriotes haïtiens frères sœurs ou pral regarder là ensemble avec nous comment policiers kenyano yo même yo atterri dans la coupe pays d'Haïti et déjà là matin faut moi di ou et gagné yon présumé bandi gagné petit junior qui lui-même lycée membre gang Jeff Grolois et gang Canarab dirigé ya et bien li tap tenté quitter Haïti il tap tenté rentrer la caille voisine République Dominicaine nous pral di ou ki jan sa fini là nous cap constater li compatriotes haïtiens frères sœurs et bien policier kenyan yo même yo atterri là. OK. Yo atterri là. Donc j'en ai constaté là, voilà. Yo atterri. Yo déployé, OK, yo prend position yo. Gen un paquet l'autre vidéo côté, yo fait ti show, yo danser, etc. Et nous t'attendé des séries de haïtiens des compatriotes qui ont même yo tap scandé, pas danser, nous vinn danser. Eh bien nous gon mission spécifique nous vinn faire, eh bien c'est résultat. Et yo di yo ap tann. Donc là, nous ka constater ensemble avec moi comment et déploiement lui-même lié comment yo atterri et premier troupe là li atterri dans la coupe pays d'Haïti. Donc nous t'ai déjà depuis hier ap gagné et diverses photos qui t'ap circulé, n'a gardé et visage policier kenyan yo, n'a gardé expression visage yo. Donc, c'est un bail vraiment particulier qui a fait jodi an la. Donc, n'ap gande. OK, yo a proposition. Yo a proposition, voilà. On dirait bien, yo kontan sa yo gen la. Mais en lè. OK. Donc, compatriotes haïtiens frères chum, c'est comme ça, situation li même. Bonheur matin, l'étape évolué. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture, côté premier troupe kenyan yo atterri dans la coupe pays d'Haïti. N'avance, puisque genye et ti junior lui-même qui c'est et membre gang Canara que Jeff Grolois a dirigé, et bien formation qui rive joindre nous tap tenter sauver et sous frontière là matin 25 juin 2024 là, et malheureusement pour lui
bus li te la dan lan tombe en panne nan zone de kwa mi balai. Population ki konnen misye fè bien, yo fèl desann, yo fouye misye, yo fèl pale, jis li de pale, et puis après yo mande nan ki baz liye l bay tout detay, moun mi balai, nou deja konn comment modod lan ye, yo bal bois calé, et bien c'est premier présumé bandit qui prend bois calé et normalement déploiement force multinationale là puisque et soldats ont commencé la guerre yo well là et effectivement militaires kenyan yo vini étranger yo atterri donc gen en pile information qui a circulé en pile information qui rive joindre nous côté et bandi yo côté présumé bandi yo soit que nan gang yo appartenu yo saisi passeport yo sa ki te gen passeport soit que yo mette a veye yo moun ki de confiance avec kaïd avec go chef gang nan donc gen un paquet ti jeune garçon ki décide yo même yo pralé y a plagi cha et matin là c'est ti junior mam gang et canara qui lui-même li prend bois calé nan mirbalè alors que li tap tenté lagé pied li tap tenté et quitter et base là parce que li pa comprendre ça k'ap passé a. Donc compatriotes haïtiens frères sœurs, réaction en pile et en pile réaction par bon côté population par bon côté diverses et catégories moun et qui yo même yo wè que finalement force Kenya li atterri. Nous gagnons premier ministre Gary Conille. Gary Conille et lui-même lui prend position par rapport avec Vini Force multinationale. C'est qui position premier ministre Gary Conille dans un poste que lui fait côté non seulement lui salue Vini Force multinationale mais compatriotes haïtiens frères sœurs premier ministre Gary Conille lui cementé c'est la dernière fois pour dernière fois que étranger foulé sol papa nation Jean-Jacques Dessalines. Qui ça premier ministre Gary Conille dit m'bral li pou ou au nom du gouvernement haïtien et en mon nom personnel je salue la détermination du gouvernement kenyan et de son peuple à accompagner Haïti dans la lutte contre l'insécurité qui ronge la société. Le gouvernement et le peuple haïtien souhaitent que cette mission multinationale soit la dernière qui l'aide à se stabiliser pour le renouvellement du personnel politique et le retour à la démocratie effective. Vive la solidarité entre les peuples, vive Haïti. Donc pour premier ministre Gary Conille là il dit c'est dernière fois pour étranger fouler bout de sol ça fouler tes papa nation et Kenya li là Kenya pralé aider yo rétabli stabilité rétabli sécurité pour yo ka fait élection pour yo renouveler personnel politique là donc ça c'est position premier ministre Gary Conille par rapport avec déploiement et force multinationale. Donc là n'a déjà comprendre compatriotes haïtiens frères sœurs et officiels yo politiciens yo même yo a réagi constamment avec Vini Force multinationale. Nous gagnons ambassade américaine qui lui-même lui réagit tout qui bat gros bravo la contentement pour Vini Force qui bat gros bravo la contentement et pour président kenyan William Ruto il dit qu'il kembe engagement qui finalement voyer force multinationale dans le pays d'Haïti Jean ça prévoit dans résolution 2699 qui votait à l'unanimité non, mois d'octobre 2023 passé à dans Conseil sécurité Nations Unies. Compatriotes haïtiens frères sœurs, nous gagnons un ensemble de privilèges que force multinationale lui-même li pral joui là. Et moi-même toujours aimé garder aspect technique yo puisque si nous gon force après un pile petit toto la lito li finalement atterri mais faut nous connait à qui ça nous doit attendre nous, faut nous connait qui privilège qui sa immunité que membre mission multinationale la pral bénéficier pral jouer qui sa yoyé parce que gros bagay qui important nous doit comprendre force multinationale là militaire policier étranger yo déjà là yo déjà sous place té gen mobilisation qui fait gen en pile disposition qui te prend Guy Philippe ak équipe li yo écrit
représentant et Nations Unies OEA yo écrit tribunal Kenya pour mande camper force lan. Malgré ça nous wè rapport politique yo, nous wè jeu d'intérêt yo, nous wè et pour États-Unis gen nan balance pour faire déploiement en fait, finalement déploiement en fait. Nous même par rapport avec situation ça, c'est qui ça nous ka fait? Est-ce que dans moment n'a parlé à là dans moment côté force dans l'idée déjà sous sol toute disposition prend pour cantonner dans base yo, est-ce que là nous même compatriotes haïtiens frères chame gon bagaille encore nous ka fait puisque yo déjà sous place gen en pile moun dans communauté haïtienne non des séries de moun qui quitté caillou à cause bandi à cause insécurité en pile réaction gen en pile moun qui dou yo espérer que mission multinationale que force kenyan n'a pral bay résultat. Gen l'autre qui dou mais ça k'ap passé dans pays Kenya nan moment là Kenya tête en bas nan moment là président William Ruto moun k'ap manifester yo di yo pas besoin tande rien encore k'ap sorti nan bouche William Ruto faut que William Ruto rache man yo li baite ya gen en pile réaction par rapport avec Vini Force Kenya. Mais yo déjà là compatriote haïtien franchement et nous supposons qu'on est qui ça yo pral bénéficier comme privilège qui ça immunité que l'état haïtien ba yo l'état haïtien a protéger yo dans qui circonstance supposons qu'on est tout détail yo pour un côté faille yo ye, pour un côté force yo ye, pour un côté faiblesse yo ye, et dans sens ça on connaît comment pour préparer à toute éventualité. Compatriote haïtien franchement qui ça privilège à immunité et que policiers que troupes kenyanyo pral gagner salvadorien puisque nous connaissons nous apprendre nouvelle là président Salvador Nayib Bukele li promet la pral gagner dans jou k'ap vini yo et 110 salvadorien k'ap gen pour rentrer dans la coupe pays d'Haïti ap gagner 5 hélicoptères de combat que le pral mettre à la disposition et de force multinationale là la tout est technicien parce que yo a besoin support aérien donc c'est comme ça Nayib Bukele lui-même li décide contribuer dans déploiement force multinationale là pour aider ba en coup dans question insécurité compatriote haïtien franchement chita on pral tande exactement qui ça cap passer dans moment là dans dossier force multinationale là. Après plusieurs mois que nous rete nous chita ton, eh bien même force police Kenya yo commencé arriver dans la coupe pays d'Haïti. Suivant ça qui prend dans résolution 2699 et Conseil sécurité Nations Unies. Haïti ak pays Kenya yo signé un accord sous statut mission multinationale land doit gagner privilège ak immunité que personnel mission multinationale yo même yo doit gagner. Qui sa gouvernement haïtien sous Ariel Henry yo bail comme droit à mission multinationale là à tout personnel policier recommandement mission qui sa yo pral bénéficier comme privilège compatriote haïtien fraîche. Premier bagaille gouvernement haïtien reconnaître droit que moun qui fait partie de mission multinationale là gagné et à toute contractuelle mission pour yo importer par voie maritime, y a qu'à faire importation par bateau, avion ou bien de manière terrestre façon qu'a plus bon pour yo a, on comprend, y a qu'à importer. Même gens tout compatriote haïtien frères sœurs, y a bénéficié franchise sous toute importation yo fait, y a exonéré yo de taxes sous toute importation yo fait et l'état haïtien a bayo des redevances sous toute l'autre charge et bien que yo même yo a décidé prendre qui gagne rapport avec mission. Et bien compatriote haïtien frères sœurs, yo a bien droit pour yo importer équipement, pour yo importer provisions question manger, yo a bien droit pour yo importer des fournitures, yo a bien droit pour yo importer propre gaz yo, yo a bien droit pour yo importer toute qualité matériel, pièces machine, moyen de transport, tout ça yo a besoin dans cadre mission multinationale là, côté que disposition prend, yo pas payer taxe, yo a exonéré et ensemble de droits, yo a gagné franchise dans première étape là qui c'est droit yo reconnaître yo pour yo importer. Kounye a compatriote haïtien frères sœurs, n'a continué. Dans même document ça, Haïti accepté pour établir dans meilleur délai yo
et un ensemble d'installations de douane pour yo bay Kenya, pour yo bay mission multinationale là l'autre côté pour yo même pour yo dédouaner marchandises et matériel que yo acheté dans leur pays pour venir en Haïti avec yo. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire compatriotes haïtiens frères et sœurs, eh bien Kenya pas gagné pour lui utiliser et terminal Vareux, Kenya pas gagné pour utiliser APN, Kenya pral gagné yon l'autre espace qui réservé exclusivement avec mission multinationale là, eh bien pour yo ka faire dédouaner tout matériel, tout équipement, tout ça yo a gagné qui a sorti dans l'autre pays pour yo utiliser. Kounya question moi même vle poser tête tout. Kounya l'état haïtien choisi mettre yon couloir ou bien pas connait comment nous carrer li yon corridor et juste pour mission multinationale qui contrôle qui pral gagner sous li qui droit de regard qui pral gagner pour nous connait produit venir avec yo. Est-ce que produit ça c'est des produits de qualité? Pour nous connait produit ça qui contrôle a priori qui fait sous yo, pour nous connait effectivement produit qui vini yo, est-ce que yo pas vinn faire et affaire pa yo en bas donc l'état haïtien et yo pas dit dans document qui siyen est-ce que l'état haïtien a bon droit de contrôle ou bien c'est un nick fond couloir pour Kenya vini pour tout pays qui a gagné pour faire partie de mission pour yo importer tout ça yo a gagné besoin pour faire vini dans pays d'Haïti. N'a pas continué compatriotes haïtiens frères sœurs. Eh bien, dans même document ça, l'État haïtien reconnaît droit que tout monde, tout personnel, tout monde qui fait partie de mission multinationale a gagné pour yo mettre camper des économas au siège de mission. Le a parlé possibilité pour yo mettre camper des économas dans base mission et eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs là n'a parlé de économa c'est comme si son sorte de marché donc en dedans base mission en dedans base Kenya gè possibilité leur importer produits pour yo faire marché dans base marché ça seule disposition l'état prend yo dit que marché a doit fait avec moun qui dans base. OK, sou faire venir par exemple patate lame et corps sol chadek papa whatever ça vous fait venir et eh bien c'est avec l'autre monde l'autre personnel qui dans base pour yo venir yo pas gain droit venir monde de yo donc c'est peut-être ça que l'état haïtien prend disposition qui jusqu'à présent au moins a protégé peut-être et peuple haïtien là par rapport avec importation que étrangers a bien pour yo faire pour besoin mission multinationale et n'a continué yo dit que économa sa yo ka fournir des biens de consommation à toute l'autre qualité bagay que mission a besoin yo ka fel yo tout ça yo a besoin yo ka signaler gouvernement haïtien li pa avance et par la suite pour l'état permettre que gagne des couloirs qui fait gen couloirs qui ouvert gen corridor qui fait pour yo ka bénéficier tout avantage sa yo donc n'a continué. Commandant mission on doit prendre toute qualité mesure nécessaire pour éviter tout abus en dedans et économa sa yo qui monte dans base parce que produit sa yo seulement là yo seulement doit venir pour exploitation économa yo pas doit faire l'autre bagaille avec lui. Gouvernement haïtien compatriote haïtien frères sœurs li reconnaît droit que mission multinationale là avec et contractuel yo gagné pour yo réexporter tout l'autre bagaille que yo pas besoin utiliser. Donc si yo te besoin par exemple 10 machines yo t'a besoin 10 machines au final yo c'est 4 yo a utiliser et bien yo ba yo droit et sans yo pas besoin d'en payer droit de douane yo ka réexporter revoyer tourner et excédent yo gagnant ça yo pas servir avec yo revoyer yo tourner dans l'autre pays. N'a pas continué compatriote haïtien frère seulement tout ça yo c'est sans frais. OK, sans frais possible. Ça veut dire yo vini dans pays nous accueillons yo dans pays nous parce que yo di a vini de nous mais yo pas rien pour yo payer aucun droit, yo pas rien pour yo payer aucun taxe, yo pas rien pour yo payer aucun impôt parce que ces services yo di y a vini ba nous. Non même encore ça compatriote haïtien frère chum que l'état haïtien signé avec et avec autorité kenyan yo bay autorité kenyan yo droit pour yo mettre camper des camps des emplacements et également
quand ça avec emplacement ça que on pral mettre campé, c'est dans cadre de toute activité opérationnelle administrative pour mission multinationale là pour yo mettre campé des moyens de communication. Eh bien gouvernement haïtien hein, suivant accord qui signé, li gagne pour garantir tout espace que mission multinationale mettez base yo, mettez lieu opérationnel yo, mettez lieu administratif yo, que tout espace ça yo inviolable. Seule façon pour autorité haïtienne ou bien pour un policier haïtien rentrer dans bazar, c'est si auto policier haïtien ak policier kenyan yo yo cantonné dans même base. C'est si yo a fait patrouille ensemble, c'est si yo a opéré ensemble, donc un policier haïtien ou bien autorité haïtienne qui a pénétré dans base et multinational qui a pénétré dans base Kenya. Pour pénétrer dans base Kenya, faut qu'on ait une autorisation express. Yo dou base Kenya, pas en savane, même leur la caillou, li pas en savane, nous pas qu'à pénétrer n'importe qui gens, autorité yo pas qu'à pénétrer n'importe qui gens, sauf autorisation express puisque l'État haïtien accepté pour reconnaître l'inviolabilité, ok, l'inviolabilité que base yo gagne et yo soumet à autorité de contrôle exclusif yo pour yo gagne un accès permanent direct et immédiat à tout local za yo lorsque membre mission multinationale là yo même yo posté ensemble avec personnel de la police nationale haïtienne. Sauf disposition contraire, donc sauf disposition contraire, si on autorisation express, c'est seul comme ça pour haïtien yo, pour autorité haïtienne yo, pour policier haïtien yo rentrer dans base Kenya. Donc, l'offre entendre ça qui signé dans accord entre haïtien avec autorité kenyane, qui sont dit tout. Ou dit tout l'école lagué. L'école lagué et si c'est autorisation express pour jeune nommé autorité kenyane pour rentrer pour aller vérifier pour aller regarder ça qu'a fait dans bazan qu'a pas jamais connait ça qu'a passé dans bazan parce que autorisation ça si on connaît des bagages louche qu'a fait est-ce qu'il y a jamais qui t'ont rentré est-ce qu'il y a jamais qui t'ont vienne font état des lieux etc. Donc tout ça c'est pour qu'a comprendre pour qu'a connait que oui Kenya là oui au sous-sol là pendant au sous-sol là gon ensemble de privilèges que yo bail gon ensemble d'immunité que yo concédé l'état haïtien concédé yo inviolabilité oui au doux compatriote haïtien franchement m'pa konn sa k'te nan tèt Ariel Henry mais Ariel allait trop fort yo té allé trop fort parce que m'a prend exemple simple pour pral comprendre là parler de inviolabilité c'est même gens gon paquet oligarque corrompu en dedans pays yo qui c'est consul honoraire au paquet le pays gagne consul et consul honoraire et pour Israël consul honoraire au paquet le pays mais oligarque corrompu ça yo gagne gros market yo gagne gros entreprise yo pas choisi mettre consul à l'autre côté non yo mettez consul là dans market là yo mettez consul là dans business yo directement parce que yo connaît convention de Vienne non sous principe diplomatique yo li fait de côté consulat hier, y a un espace qui est inviolable. Li fait de côté consulat hier ou pas qu'à violer l'espace. Eh bien, dans ce sens, compatriote haïtien, franchement, pendant les gars qui ont réglé toute affaire, y a toute mauvaise deal, y a toute mauvaise acte, y a toute mauvaise affaire, y a corruption, y a trafic d'armes, y a gang. Eh bien, consulat a vint servir en couverture, maquette a vint servir en couverture, business a vint servir en couverture. La police pas qu'à aller là-dedans comme ça. Ou pas qu'à violer la convention de Vienne dans comme ça c'est même genre nous encore haïtiens en Kenya premier bagaille nous rend espace inviolable nous baillons droit pour yo mettre économa pour yo faire ti marché dans bazan nous pas qu'à aller en dedans bazan sans autorisation express qui est encore autorité autorité kenyane yo donc compatriote haïtien franchement non c'est ça c'est comme je vous dis vini faire ça nous voulez leur nous voulez nous praler. Donc, véritablement, pas un contrôle. Et nous, ka toujours comprendre. Si moun nan vine de ou, si moun nan vine de ou, et déjà, compatriote haïtien franchement, dans le pays Kenya, il y a un paquet d'organisations qui défendent droit moun, Amnesty International, Human Rights, un paquet d'organisations qui a dénoncé un paquet de dérives qui fait dans le pays Kenya. Et dans le moment là même, c'est pas une violation de la moun, manifestant, yo a bat usage excessif gaz lacrymogène, bat moun, etc. Donc,
Déjà là, par rapport avec Jean Bagayle déjà annoncé là, et avec ensemble de privilèges, immunités que mission multinationale, que personnel là bénéficie là, donc gan pile inquiétude par bon côté organisation dans la société civile là. Et supposé gan inquiétude ni par bon côté port, ni par bon côté PAM, parce que c'est pas de jambes ça nous espérer, c'est pas de jambes ça nous souhaité. Après quantité de temps ministre fin fait dans pays, après quantité de temps ministre fin passé la dérive qui t'est faite pour nous retourner dans la même logique, intervention étrangère, mission étrangère, etc. Mais qui est-ce qui mettait nous là? Qui est-ce qui mène nous là? Qui est-ce qui la cause nous là? On passe même monde ça qui a demandé mission, qui a demandé force pour intervenir. Ça même yo même Jovenel Moïse passé 4 ans, c'est 4 ans côté acteur politique yo. Yo tap mande gang yo, tap dit gang yo tout zam légal. Bon plan évalier, bon plan te kapel te dil. Tout moun ki gen zam yo bienvenu nan bataille yo tap fè kont Jovenel Moïse. Journée jodi an c'est même bon plan kap bat bravo pour vini fosan. Même André Michel qui te dit barricade avni tout moun ki gen zam ba yon kout men, fòk yo al déchouke Jovenel. Journée jodi an André Michel kap bat bravo. Nous voulons nous comprendre ce qui a passé en dedans pays. Ça qui est la journée aujourd'hui, le nous est acteur, yo est content pour dire que Kenya vini. C'est parce que yo connaît. Jou peuple ça a levé. Si insécurité a li pas résoudre, on bon matin, peuple a décidé de lever, prendre des stèles en main. Et le ça, peuple a passé ou le compressé à sou yo tout. Yo yon pa pe panye. Donc yo préféré anticiper. Pour yon mande pour yon force vini, pour yon gade qui sa force sa ka fè de concert avec la police, pour yon mouen met ton ti glo nan divin bandi yo, met ton ti glo nan divin gang yo. C'est exactement ça ka fè. André Michel content, Majorie Michel content, Beauplan content, Nenel Kassi content, Moïse Jean-Charles content, Claude Joseph content, Lavalache content. Vous comprenez? Tout le monde sa yo sou Jovenel Moïse. Si Jovenel Moïse ta même gen malet a palon bagay, kon sa yo tap sauté Jovenel Moïse. Ariel Henry qui te prend initiativement de forcément démission, yo sauté Ariel Henry depuis en l'air. Yo lapidé Ariel Henry, c'était cheval de bataille yo. Yo te dit Ariel pas nationaliste, yo te dit Ariel pas un patriote, etc. etc. Mais tout le monde sa yo qui t'en face Ariel, qui t'a dit Ariel t'es mal fait, journée jodi an c'est yo couvri bra yo, c'est yo ka la accueilli mission multinationale là, quelle honte. Quelle honte. Ce qui est sûr, m'pa vle nous voiler la face, m'pa vle nous nan bay tête nous menti. Est-ce que Haïti dans situation nou yé là, nous besoin en coup mais oui nous besoin en coup mais. Est-ce que nan moment ça là, nan moment n'a traversé la côté gang a terrorisé, a tout y a kidnappé, a violé, a tout pizi. Est-ce que pays a ka continuer comme ça? Non pays a pas ka continuer comme ça. Trop haïtiens qui nan diaspora qui rete dehors trop longtemps, trop moun ki besoin vin retourner la kayo, trop fami ka victime, trop moun ka kouri kite kayo plus que 500 000 moun. Si Kenya kaba en coup mais réellement pour aider résoudre situation que autorité nous gen la yo que dirigeant nous gen la yo que yo tiron leçon et c'est Jean Premier ministre Gary Conille dit là que ces dernières missions multinationales qui foulaient qui rentraient dans pays d'Haïti que nous même peuple haïtien après Kenya pour nous assumer responsabilité nous pour nous camper pour nous défendre pays nous pour nous camper pour nous défendre petit bout de ça parce que moun ki la cause Kenya ka rentré là journée jodi c'est même yo même qui dans l'état parce que Kenya batte ka levon bon matin pour dire la vin Haïti non sans que pas de bon crise en Haïti mais qui est-ce qui crée crise qui est-ce qui crée insécurité qui est-ce qui favorise insécurité qui est-ce qui t'a bal tété qui est-ce qui permet li grandir qui est-ce qui permet li étendre depuis tout temps ça. C'est dit ton gros adage qui dit le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Animal normal, li normal net. Mais est-ce que nous ka sot normal là? Oui, nous supposé sot normal là. Est-ce que c'est Kenya qui pral retirer nous normal là? Point d'interrogation. Mais seul ça me connaît. Seul ça me connaît compatriote haïtien frère chum. Kenya li là pour intérêt personnel li. Mais nous-mêmes, classe politique là, dirigeant politique yo, dirigeant l'état yo ou au commandement la police qui ça qui intéresse pas yo journée jodi c'est question ça yo pour nous commencer garder nèg yo danger pas peur poser aux questions yo et tande qui réponse y a ba nous pour nous tande qui réponse y a ba yo parce que dans moment là il y a pile mobilisation pas besoin d'où comment commissaire Muscadet li mobiliser li même la veille ou la veille en bas parce que pas aucun monde cap courir qui te bon pour nous pour venir dans juridiction là dans Miragouane pour malo.
Bois calé bay nan mio balai. Donc compatriote Aïssé Frèchem, c'est comme ça situation lui-même l'a évolué avec Vini Fos Kenya. Faut que moi dire nous gagne ancien sénateur Edo Zeni. Nous gagne Edo Zeni qui lui-même et nan moment là, même j'avais un pile moun qui était quoi, faut bon bagay qui fait avec LB. Ou pas supposé quitter LB, get a courir la gué, puis il rentre États-Unis, il prend poste, mais faut que yo ta gade comment yo te ka déposer la patte sur LB, parce que LB fait trop. LB tellement fait, ancien sénateur a même soulevé question gang et éviter l'homme innocent. Quand elle était accusée, LB comme moun qui participait dans tous les jeunes. Tellement de bagay qui dit. On va attendre ensemble avec mon intervention et Edo Zeni. On va retourner tout de suite après. Il n'a pas, c'est un, mais même pour moi, moi, Fonse LB, la guerre, on va vous dire que des deux ans, huit mois, voilà, ça se fait, mais monsieur son bon calambé. Monsieur son bon camoquin. Fonse LB, son bon calambé, son bon camoquin. C'est un homme que j'ai connu pendant que j'étais sénateur de la République. Et lui, il était le directeur départemental du Sud-Est. Mon cher, mesdames et messieurs, monsieur était fait de travail, monsieur était très jovial, et monsieur était très respectueux, monsieur était fait du job dans le département du Sud-Est. Mais être directeur général, mon cher Mabdou, même, n'est pas comme nous avons démissionné. Là, on sortit par la petite porte, et Frantz LB sortit par la petite porte, pour ne pas dire la droite directe dans le pile fatra, dans le doum fatra, dans le garbage. Écoutez. Sous deux ans, huit mois, qu'on fait, on contribuer dans la mort du président de la République, parce que vite l'homme dit que nous t'entendons sur ça. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'ai pas à répondre des questions à la justice. Me répéter après vite l'homme, ça n'a pas voulu dire que parole bandia, qui est extrême, qui baille, parce que bandia le loi 10. Si vous voulez, là, que tout le monde dans le show, il a dit ça, vous voulez. Parce que tu vois, on s'est dit, ah, c'est un bandit. La parole, il va vaut quelque chose. Mais quand même, lorsqu'on a dit, monsieur, expliqué que en pile, on était venu de mon côté, que, et d'ailleurs, le arrêté, monsieur, c'est Nenel Kassik, Terele, avec André Michel, qui était là, qui était là, qui monsieur, qui était là, qui était l'homme. Donc, écoute, donc, les choses sont claires. Donc, bon, mais même pour la venue du nouveau, directeur général, nommé Lamo, bref, qui ça M. Pal fait, qui ça M. K fait, si yo bay ti Jean, ti Paul, ti Pierre, directeur de la police, et puis yo bay on est qui t'allait étudier la police, sociologie, ou bien dire ça encore, tout, criminologie, tout bay ça yo, si on moun pas de moyens, adéquat pour faire guerre avec des nègres qui sont bien armés. Soit pas des hélicoptères, soit pas des tanks qui sont vraiment des tanks, et bien c'est ça l'eau qui là. Et bien c'est mal propre, c'est ça là. Et bien les nègres font comme pour manger. Ça, c'est pas tant que ça, c'est pas blindé. Ça, c'est blindé pour porter troupes. C'est blindé qui pourra déposer soldats pour soldats attaquer des hommes. Nous besoin de bons tanks que Jean-Bertrand Aristide, le président Jean-Bertrand Aristide, te vend. Ils vendent tout gros tank que nous avons, tout hélicoptère, tout avion, parce que le président a essayé de commander d'avoir la loi, et c'est Walde qui a mis tête, qui fait qu'ils vendent tout matériel de l'armée d'Haïti, parce que tout simplement, il était dit que c'est l'armée qui a fait coup d'État, donc ils vendent tout le bagage. Bref, nous sommes en difficulté. Et si le matériel s'est arrêté là, c'est sûr. Que nous avons combattu contre le gang. Bon, nous avons mis le là et nous songeons et nous rappelons, si je me souviens bien, je ne pas faire que papa Normil, donc, et Normil, c'était un directeur déjà, un directeur général, et Normil, tu es chef, tu es au plus haut niveau de l'État, tu es directeur de ma petite départementale. Des directeurs général et puis papa le démouille, et il devient papa le mouille dans la cité de l'eau de la Cali. Donc maintenant, on tourne à 9000, mais M. Blanc fait ça, lui, vous voyez, dans le pays, monsieur. Nous tellement qu'on court à attendre dans le pays.
Et ça même dire, mais François Duvalier, je ne parle pas de Jean-Claude. Jean-Claude était un bébé, bon, pas même d'un lâche, même parce qu'à 80 000 hommes, ou que des roubles, âmes, ou ses chefs. Bien, compatriotes haïtiens, frères, nous sommes tentés, et ancien sénateur et nos ennemis, qui lui-même est vraiment amer, hein, très amer, et vis-à-vis de LB. Et effectivement, LB n'a pas mérité pour nous nous avec, non. LB son vagabond. LB, il passe tout le temps ça dans tête PNH. Il finit de grainer tout Gilbert, ça, et puis LB, d'où le bralé. Et je pars avec le sentiment du devoir accompli. Et bien, pour nous, tout ta volé dans quoi l'été, LB, t'as coup guêpe, oui. T'as coup guêpe, oui, là, pour nous taper et bondi sous ancien DGA. Parce que il va respecter Figimoun, hein. Il va respecter Figimoun. Parce que nous pas qu'à fin contribuer dans l'écrasement du pays. Ou pas faire rien pour restaurer l'État. Ou pas faire rien pour restaurer l'image PNH. Et puis, là, on prend l'autre, on prend aller, ou t'es bien travail, ou prend avec le sentiment du devoir accompli. Quel devoir, hein? Quel devoir? Vous comprenez, il y a les devoirs et patron en bas pour te faire écraser l'image de la police. Regardez ça. Compatriotes haïtiens, frères hommes, nous gagnons ancien sénateur Yuri Latortue. Ancien sénateur Yuri Latortue qui lui-même, il te font râler Menevini sous plan sécurité le gagne pour Haïti et qui ça fait même après les forces Yuri et en rien nous pas jamais prend aucun acquis de sa force yo quitté, c'est toujours un perpétuel recommencement insécurité gang bandi qui sa bagaille là y est tout bon nous attendez et Yuri Latortue et comme ça sous bon commentaire va tout profiter et faire en aller et c'est peut-être ça moi toujours dit si on mon chef police gen ministre dans pays a gen l'autre monde beaucoup découvre comme chef police c'est leur chef police avec la police haïtienne pas gen étranger. Mm-hmm. Et pour nous arriver là, faut nous avoir un plan pour nous planifier. Quelle erreur que nous avons fait en 1994? Il n'y a pas eu de plan de réception de la force internationale. Elle dit, force là rentrer, et puis, c'est eux qui dictent qui ça a fait. Qui erreur nous fait en 2004, justement? Le force là rentrer, l'y fait travailler, et en 2006, le président Préval, comme président légitime vini, moi mettre les plans quelle force publique pour Haïti, il pas prendre et il y a pas eu d'autre plan. Donc ministre ça fait, je le pensais il doit faire jusqu'à ce que l'aller. Et le ministre Savina Limkado en 2017 ou vinn gen binu. Moi font alerte, moi dis attention, ministre ça pour aller faut nous faire le plan de réforme de la police 2017-2021. Chita avec Gédéon, nous travaillons et nous voter 2 milliards de goudes. Ou chanje le map vote budget sa, mte président Sénat, te gen sénateur qui vini yo chire budget a. Mwen di, monsieur, si nous pas vote plan sa, la police sa que nous gen, li pa privé à 15 000 effectifs, la vin feb, ministre ale, la ome a yo pa vle mette le sous pied, et la police sa pa compte pour éduquer son sécurité. Ouais, mache à document. Mais document, qui a été voté, et j'ai été celui qui te promouvoir document, qui travaille sur document, parce que de 2017 à 2021, la police t'a privé de 15 000 hommes, nous avons gagné blindé, nous avons gagné unité spécialisée. Maintenant, où dit l'IT voté? L'IT voté? Mais s'il voté, mais président Jovenel, pourquoi l'a mettre dans la caravane? Ah bon? Et là, nous lançons ces questions pour nous dire, il y a des gens qui disent, attention, sénateur, ou t'es avec président Jovenel, il ne faut pas dire. Moi, je dis en 2018, et yo dit m'a bloqué programme président Préval là non il y a 2 milliards de gouttes qui étaient là pour la police pour yo commencer mettre plan t'es gon contrepartie hein t'es gon contrepartie de environ 25 millions de dollars que étrangers a metté mais Haïti t'es doit mettre 2 milliards et bien 2 milliards ça va mettre qui t'a géré par gouvernement qui t'a géré par gouvernement faut doit ajouter ça ah oui mais pas nous dire la faute pour ne pas connaître que c'est où même qui t'a pas géré du tout ah, non mais faut que classique nous connaît tout le monde connaît oui, ouais, connaît. Oui connaît, comme oui. Sénateur oui. Pas gain droit dans quoi ah, non. Qui initiative que m'ka prend comme président commission justice et sécurité c'est voter plan réforme là et me fait voter et l'homme vient président nous mette quoi là en 2018 le budget va venir me dit m'pa quoi m'a voter bah ils ont encore si yo pas mettez même quoi là pour la police malheureusement ce qui ça vient arriver eh bien yo vient retirer comme ça
dans le budget, yo vin voye l'on l'autre, majorité a voté, le sam devine pas dans la majorité, m'de gata passe dans l'opposition. Donc, qui sam vle dou pas là? Avant nous attaquer problème là, sous le plan de, m'tende ceci, m'tende cela, sur le plan, m'tende intellectuel, structurel, gon problème dans la force publique noire, li pas organisé. Pas qu'il y a aucune force publique qui pas organisée, qui pas conduit à des bandades. Et toujours par exemple ça, t'es une élection que t'as fait Saint-Domingue en 2020. Moi sous frontière, un député qui vini, un candidat député, qui d'abord, il vini avec Zam. Et puis il bail Zam pour le cette après élection, immédiatement là mais débarqué, il arrêté monsieur. Parce que nèg yo en minorité, on l'a met gain 60 000 hommes. On la police gain 30 000 hommes. Même si on est capable de faire une déviation, il y a peut-être mes sous. Oui, il y a peut-être mes sous. Mais l'oron police qui faible, côté que, ou gagne 12 500 bureaux de vote, ou gagne 10 000 policiers, ou même un policier pas bureau de vote. N'importe qui est-ce qui font des ordres, la passe. Donc la depuis passe. Le ça, moi je dis, il faut organiser la force publique. Malheureusement, il n'est pas organisé. Même continuer la bataille là. Et après plan de réforme là, parce que si vous n'avez pas plan de réforme là, ou pas qu'à faire plan pour la police. Parce que grand pile n'est qui a une sécurité, mais il faut qu'on ait l'état actuel des choses. Dans plan de réforme là, l'idou exactement qui ça gagne gros monde, qui ça gagne bassin bleu, qui ça la police gagne. Et c'est à partir de ça gagne qu'on a travaillé. Donc en 2021, le mois de situation vient comme ça, moi dit monsieur, moi-même qui sorti dans la mer, qui est commissaire divisionnaire, qui était sénateur, président de la commission justice et sécurité, qui était travail, je ne vais pas me décourager. Et puis me présenter un autre plan d'urgence avec Ariel Henry. Et l'homme présenté plan ça, le 9 septembre 2021, Ariel recevra à 3h de l'après-midi. Il dit, mon cher Yuri, plan en bas, on va appliquer. Et rendez-vous, tu dois prendre avec le chef de la police le lendemain pour que je te explique exactement ce qui s'est lié. Mais ce qui est arrivé, le lendemain, il m'a 8 ans, il dit non, il n'y a pas qu'à recevoir, il n'y a pas qu'à appuyer le plan, il y a jalousie politique. Et puis il dit, moi, tout vu avec plomb, là. Moi, je tout vu. Il dit, tout vu sagement. Oui, moi, tout sagement. Tout qui débat là. Mais allez, parce que, dans la technique, là, je ne suis pas dans la politique. Parce que, n'est-ce pas, il y a moins vite dans la politique. Même si tu es un militaire de carrière. Donc, il y a de promotion, qui étudie, qui sortit comme lieutenant, après qui vient commissaire divisionnaire dans la police. Donc, c'est l'âme de commencer. Et c'est l'État qui paye pour moi. Donc, on de redevance envers l'État. Donc, on redevance. Première fonction, c'est pas de politique. Moi, je viens de rentrer dans la politique. Donc, moi, je retourne dans ça que je apprends dans l'académie. Hein, qui dit le cadet doit toujours agir, doit s'adapter aux situations et agir avec tact et intelligence. Et moi-même, je retourne pour m'agir avec tact pour me dire, Ariel, mes plans. Léo Vindim. Que il y a une jalousie politique parce que je dis monde qui réussit plan les cavine chef dans pays on connaît toujours me dire quoi elle rebute à dire ça me vient voir son bail politique me tire quoi et l'homme fin retirer quoi mal parler de plan m'aller dans tout pays a pour me dire que il y a possibilité me faire presque même gens avec président Henri de Préval moi m'pas publier plan parce que plan gon parti qui confidentiel mais m'aller me parler de parti public là. Parce que je dis, il y a un plan, Vigipirate en France, soit sur le computer, ou après partie publique là, ou après élément essentiel de plan, ou pas pour partie opérationnelle là. Moi-même, je vais parler de partie publique là. Et depuis le ça, il y a un comité qui monte contre moi, qui a fait bataille politique là, justement. Que Raboto, c'est gang. Que je gang Raboto, je gang Kokorat. Mes amis, et pas depuis 2005, mon Raboto. Raboto, c'est jeune gang. Ou même député, ou pas qu'on a passé, qu'on arrive à 2 heures, ou à manger à Boto. Oh, mais je connais à Boto. Je connais à Boto. Pendant 12 ans que je suis sénateur, pas j'aime gagner, mais comme je suis sénateur, et puis tout le monde a dit Raboto c'est gang. Alors que tout le monde allait Raboto. Tout élève droit qu'on est, c'est Raboto pour y aller manger. Et depuis le sale sorti, ni dans le nègre Petro-Caribé, ni dans le nègre qui politiquement, yo, un bon parti. Dans le PHK qui te dit que je ne pas doué appliquer plan, parce que si je m'applique plan, il n'y a pas de bon mais il y a l'autre nec qui a venu. À votre connaissance, sénateur, c'est combien de plans de sécurité qui gagne dans le pays? Il n'y a pas de plan. Pour là seulement?
pour à ma connaissance, oui, il y a pas de plan même au niveau de la police. Il y a des plans de réforme de la police qui sont plans visant le développement de la police. Mais là, je te parle des plans opérationnels. Mais et différentes opérations que la police a annoncées, etc., etc. Et puis, alors, nous avons une deuxième question. Oui. Et alors, on dit la police là, on a soulevé un problème d'organisation au niveau de la PNH. Selon vous, qui ça qui cause problème d'organisation? Il y a un plan administratif au niveau de la police. Un déploiement administratif. Ça que le déploiement administratif là, c'est le par exemple où sur la radio là, au bout de 95, où il y a des policiers qui campaient et qui gagnent des chèques. Un déploiement administratif, qui nous dit un déploiement préventif. La police en place pour faire la prévention. Ok? Et ça, c'est la police administrative. Et là qu'on y a un incident qui arrive, ou bien une infraction, c'est la police répressive. Mais c'est le déploiement administratif. L'on parle de plan opérationnel, c'est là par rapport à des dangers qui posaient que la police lui-même lui déterminait un plan pour dire que par rapport à danger ça que moi-même mais comment moi agir. Moi-même m'pas gagné une idée de lui ou bien s'il gagne des secrets. OK. Parce que si qu'on plan vraiment par rapport à un danger posé, la police doit informer population de attitude pour gagner dans une série de circonstances. Par exemple, tout plan de la police qui surtout opérationnel, il mène à des mesures d'isolement et population qui dans zone doit connaître exactement ça qu'a fait par rapport à mesures d'isolement. Alors faut nous pas confondre plan et ordre d'opération. OK. La police réalise des ordres d'opération, mais ordre d'opération yo c'est des ordres à l'intérieur d'un plan bien spécifique. Il y a plusieurs ordres d'opération. Et ordres d'opération, comme yon confidentiel, m'pa connaît et m'pa rentre là-dedans au niveau de la police. Alors, mais pour qui ça me demande ça? C'est parce que si effectivement, gon bataille contre tout, et là contre vous-même, une fois qu'on fin fait plan, il vient public. Et pour le pays. Pour le pays. Pour le pays. Oui. Maintenant, pas qu'il y a une bataille contre tout encore, c'est contre document. Maintenant, document, c'est document pays. Maintenant, si on a des capacités qu'on gagne, hein, ou fait ça, il y a un problème avec elle, quel produit on l'autre? C'est ça. Pour pays, c'est ça fait ma part de bagaille, plan ou gagne. C'est un bagaille intéressant, et c'est peut-être ça, je vous dis, moi, j'ai déposé 9 copies de plan pour 9 membres conseillers. Pour me dire, moi-même, moi pareil par rapport à l'autre ça qui a présenté, il y a des experts qui présentent, yo, puis ils font panel pour nous venir parler. Puis ils font panel pour nous tout chita. Même si le confidentiel, mais ils ont 9 flancs, ils doivent mettre nous tout chita. Donc si tu as 9 flancs, 9. Non, non, viens avec l'autre. Autant d'experts qui gagnent. Ça veut dire que. De façon confidentielle. Pour confidentielle, c'est pour l'état-major la police là. Parce que je dis. Bon, on va faire tes idées. Ou affronter idée yo. Et conseil là t'as pour retenu les meilleures idées. Est-ce que vous pensez conseil là gen? Mais ou pas qu'à d'accord que on n'est pas venu par l'olidou l'expert là bon deux trois bagages et vous prenez yo et puis à chaque fois le menon non échec. Est-ce que vous pensez conseil là qu'a gagné responsabilité ça? Conseil là supposé pour responsabilité peut-être ça là parce que le conseil c'est le fruit de consensus haïtien. On dit le conseil, on va le conseil. Et si c'est un consensus, et si c'est un consensus haïtien, faut que il prend responsabilité par rapport à premier problème qui posé dans pays là pour lui adresser les haïtiens de tout de toute catégorie, c'est ça le doyer. Oui, pour que nous porter solution, moi même pas j'en peur. Que ce soit dans l'université, que ce soit côté ma pied, pas j'en peur. Depuis me fin présenter un plan. On qui l'autre question toujours vini. Ah sénateur yo dit gen gang raboto. Mais justement bon plan et pour après si et pas gang raboto, si a gon gang dans pays a cap camper. Yo toujours dévier question là même parce que yo pas jamais voulu arriver là. Et je dis à ces esprit me fait, me persister. Parce que là yo on aime pas peur. Hein? Mais deuxièmement, me pas ca non pays me fait étude ça m'a regarder et puis pour la dégénérer comme ça et puis pour que n'importe petit technicien international qui pas gain ni voix et puis il pensait c'est lui qui a venir écrire pour vous. Donc en fin de compte dans situation nous y est là
Et insulte ça, ça dit dans des. Non, insulte là, on prend. Nous prenons en pile. Nous prenons en pile. En pile. Bon, pas l'esprit qu'on y a. En pile. En 1994, où t'es gagné l'armée qui t'a parlé, où t'es gagné plus ou moins des SAF qui t'es en place. En 2004, vingé, mais qu'on y a là. Question de force internationale, de tout ça qui a venu, pas gagné aucun arrangement haïtien de plan. Non, ou bien chaque monde a dit une parole. Ou bien chaque responsable a dit une parole. Pour qui ça, chaque responsable a dit une parole? Parce qu'il n'y a pas un plan. Tout expert qui gagne, yo, yo pas produit un document qui fait que même si 20 moun t'a parlé, yo t'a parlé même gens. Si nous tout li plan ça, nous d'accord avec, n'a parlé même gens. Donc je dis al pi grave, imagine que force la vini jodi a, li prend en charge, li libérer quelque route et puis l'aller. Et puis après 10 ans encore, même bail pas même 10 ans, après 5 ans, nous recommencer. Alors que si le leadership haïtien li gon plan, li konn ça l'a fait. Ou en plan ça mettez exactement qui World Force International là. Ligon force de soutien, de support aux opérations. Ligon rôle de formation pour que d'ici 2027, 2026, nous arrivions à 15 000 policiers. Parce que nous pas gagné. 15 000 policiers ont été fixés dans ça pour 2021. Mais actuellement, nous sommes à 10 000. Écoutez, donc, est-ce que, bon, en tout cas, il y a un problème là. Il y a un problème parce que c'est vous-même seulement pour du plan. Instance internationale là, bon c'est eux-mêmes qui n'ont pas, c'est eux-mêmes qui n'ont pas, c'est eux-mêmes qui ont fait tout bail. Est-ce que ils ont pas insisté tout pour rencontrer? Et ne doit pas rencontrer, mais document non mais parce qu'aucun ou qui t'a bail dit qu'il publie déjà. Maintenant, Léo Lili, c'est vrai que comme ils ont pas pays d'Haïti, il y a quand même besoin fontif à ça pour ta pas qu'un bail ça du tout. Seul monde t'ai rencontré comme ça c'est international était Daniel Foot. Envoyé spécial là. Oui. Moi expliqué le plan, il d'accord nous travaille sur ça pour que justement nous t'a parlé plus loin. Pendant que autorité nationale yo t'ai refusé lui et malheureusement, il est venu révoquer. Mais depuis là ça a tout, pas oublier non, gagner tout ton langage qu'a fait contre moi. Moun ki présente plan. Moun ki gen fèm nan pi ap travay ki fèm mais parce que justement gen sécurité. Pour yo di que eh bien nèg sa la financer gang. Ou pa y laboratoire parce que laboratoire pa vle que problème la rezoud. Mais député mais pou la sa moi m'persister oui. Parce que l'on est grivé sous quartier la caillou on est qui dit mon cher on s'est passé par ça mon tafel mon ka bay goal dans match là on mettez jouer mais mettez jouer causé en pile compatriote haïtien franchement nous sautendé ancien sénateur Yuri La Torche ça qui est évident ça qui est certain c'est que nous besoin politique publique en matière de sécurité c'est pas ni Kenya qui pral résoudre ça nous gen là parce que Kenya pas vinn pour longtemps Kenya pas vinn faire vieux jour là. C'est la police là mais nous pour nous mettre opérationnel pour nous mettre au service de population. Et comment nous devons faire? Jean Premier ministre Gary Conille promet pays pral gen réforme qu'a fait dans l'état, pral gen combat contre corruption etc. Que rive atterri, que rive combattre corruption, créer faire chimer, frayer route pour permettre à ce que nous relever image institution yo, nous relever figure la justice, nous relever figure la police et nous servir avec la médaille. C'est seulement comme ça. Pour mettre campé en politique publique en matière de sécurité, sous 15 ans, sous 20 ans. Sécurité pas qu'à établir dans le pays en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Même dans 5 ans, le président élu, il a commencé à poser grande base, mais il n'y a pas qu'à établir, aller voir plus tard, rétablir sécurité en dans le pays. Il a fait forcing, il a venu avec grand base, etc., etc. Mais question sécurité en pays, c'est sur le long terme. Et il faut que la continuité de l'État là-dedans. D'autre part, la continuité de l'État, c'est toujours lavé, mais s'il y a terre, c'est toujours corvé. Donc, nous ne pouvons jamais atterrir réellement. Compatriotes haïtiens frères, c'est là que nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Information en pile et vidéo à privé joindre nous de temps à autre et causer en pile réaction sous Vini Force Kenya. Et non, prochaine émission n'a bien pour nous faire n'a pas plus de détails. Restez connecté à channel là sous pourquoi abonner et partager vidéo pour plus monde ka au courant de ça qui passe dans pays d'Haïti et principalement et qui ça doit attendre avec Vini Force Kenya. Merci tout le monde.
À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait des bâches.